président de la balle. Et surtout, un hommage à un homme, un grand homme qui, à travers ce document, a comblé le bonheur de l'humanité. Je veux bien évidemment parler de Robert F. Fleming Jr., proposé aujourd'hui par le groupe FITIM, que je vous demande d'accueillir comme il se doit avec de très très gros applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, bien évidemment. Alors attention, on va demander au groupe visible de se mettre en position pour la chorégraphie. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Voilà, le groupe Vitim est prêt.
messieurs, parce qu'il va y avoir du spectacle avec Magma. C'est bizarre, je n'entends pas les applaudissements, je ne sais pas. Ah bon? Le groupe Magma Zigne, représentant du carnaval de la région bastérienne en tout cas. Un groupe qui a un très très long palmarès. Ils étaient en sommeil pendant un moment, mais là, après 10 ans, ils réveillent la brutale. Magma est de retour et pour notre plus grand plaisir. Vous pouvez tourner le décor, messieurs, de manière à ce que le jury puisse voir sur tous les angles. Voilà, merci. Voilà. Et je vais souhaiter entendre encore des applaudissements, mesdames et messieurs. Joli! Ah, ben bon. Donc, d'ores et déjà, on m'annonce que l'an prochain, Magma va sabler ses 30 ans. Donc, nous allons faire ça en grande pompe. Alors, le deuxième décor est un petit peu plus imposant. On va avancer. Les applaudissements sont spontanés. Ah, est-ce qu'on va arriver à faire tourner ce décor de manière à ce que le jury puisse apprécier? Voilà le jury, voilà, regardez bien. Mais voilà, Bethany Biela, là, ça y va crier Bethany Biela. Skolopan. Parce que depuis qu'on est Skolopan, ça c'est clair et net. C'est flèche de Conan là, tout bien là. Kamagien, qui a ces applaudissements là, mesdames et messieurs? Qui a ces applaudissements là, Kamagien?
Merci en tout cas. Oui, ça c'est des masses acrobates, des boucs, des boucs, des boueurs. C'est très bien représenté. Bayon, pense, il mérite. Bayon, belle pense, papa. Joli! Joli, joli. Bien joué. C'est ça, regardez là. Ça, c'est le jeu de Bobo. Obligé de faire meilleur ancrage. C'est obligé. Parce que si vous avez ça, vous avez sorti là, vous venez là. Bon, et bien maintenant, mesdames et messieurs, nous allons apprécier le décor de Pikenga. Les boucs, merci, on pile les boucs. Joli. Et voilà le décor de Pikenga. Je n'entends pas suffisamment d'applaudissements, mesdames. Magnifique. Alors je ne sais pas si le décor tourne, mais il aurait été bien que la demoiselle tourne ce décor de manière à ce que le jury puisse l'apprécier. Voilà, il suffit de demander alors, c'est magnifique. Les applaudissements, mesdames et messieurs, les applaudissements, voyons. Ah, ah. Joli. Après un bouc là, je vois le bouc, je vois les cas. C'est vrai qu'il y a une relation entre les cabris et les cas, puisque pour là, pourquoi faut parler là, c'est pour un cabri. Magnifique. Donc on a pu apprécier les boucs acrobates, maintenant on apprécie la mise. Ensuite, il y a la relève. La relève, c'est les petits comme ça. Alors attention, je vais demander à Pikenga de se mettre en position pour la chorégraphie qu'ils vont nous proposer. Position. Thank you.
à nos amis de dégager bande de Lance Bertrand qui arrive. Je compte sur vous pour les accueillir comme ils se doivent. Avec bien évidemment un tonnerre d'applaudissements parce qu'ils nous viennent de très très loin en Guadeloupe. Ils ont sorti Lance Bertrand Bayon. Belle belle force, s'il vous plaît, papa. Accueillons le chalet. Et je signale que le groupe dégagé bande participe au concours. En position pour la chorégraphie, les filles avancent un petit peu s'il vous plaît. Veuillez avancer s'il vous plaît. Jusqu'ici. Voilà, excellent. Attention. En position. On les applaudit bien fort. Dégagez, bande de Lance Bertrand. Maintenant, nous allons apprécier tout simplement durant 3 minutes ce qu'ils vont nous proposer chorégraphiquement parlant. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Je tiens à préciser que le Soleil d'Argent participe au concours. Cléla, c'est nous. La relève avant tout, la banderole, la relève, le décor. Avec le magnifique cobra. Je n'ai pas entendu suffisamment d'applaudissements, mais je sais que ça ne saurait tarder.
pas si content, mais c'est content, ça va. Voilà. On va vous demander au décor de ralentir un petit peu et de tourner sur place de manière à ce que le jury puisse apprécier le décor. Voilà. Merci de nous montrer cette belle pyramide. Le Cobra, civilisation égyptienne. Et voilà les danseuses qui arrivent en pleine forme. On peut applaudir bien bien fort. Alors les filles, je vais vous demander d'avancer pour la chorégraphie. Avancez. Que je vous demande d'accueillir comme il se doit ici à Bassin.
un petit peu, je suis là, ouais. En position, en position, en position. Attention. Attention. Merci aux musiciens. Alors attention mesdames et messieurs, ouvrez grand les yeux, le jury aussi, vous n'avez que ça à faire de toutes les manières. Attention, 3 minutes très exactement, pas une seconde de plus. 5, 4, 3, 2, 1, top chrono, c'est parti.
voilà le gros de la troupe. Les danseuses se placent, les musiciens avancent légèrement, de manière à ce qu'on ait bien le son du Wakashiriban ici à Bastère pour cette grande parade. En position. 3 minutes, pas une seconde de plus. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour Wakashiriban. Thank you.
Applaudissez-moi, s'il te plaît, papa. Attention, mettez-vous en position. Alors, il faut préciser qu'ils participent au concours. Ils n'ont pas de musique, ils vont nous faire une démonstration chorégraphique digne de ce nom. Préparez-vous, ouvrez brillant les yeux, et il n'y a pas de plus qu'il 3 minutes, il n'y a pas de plus qu'il 5 minutes. 5. Monsieur le technicien est prêt? La technique est prête? 5, 4, 3, 2, 1, il partit. Sa musique est dansée. Thank you.
Merci à toutes les jeunes filles. Et puis, il va consigner tranquillement en musique. Bayomé, la vas-y, ça s'il vous plaît, merci beaucoup. Merci. Le temps qu'elle se remet en place, tranquillement, et bien toutes ces là, en nous halte. Et ça continue.